Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les clés pour réussir votre investissement dans la quincaillerie en Afrique. La quincaillerie est un secteur économique en plein essor sur le continent africain, avec un potentiel de croissance important dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les opportunités et les risques liés à l'investissement dans la quincaillerie en Afrique, ainsi que les clés pour réussir votre investissement. Nous allons aborder les différentes étapes à suivre pour élaborer une stratégie d'investissement efficace, en prenant en compte les particularités du marché de la quincaillerie en Afrique. Nous vous donnerons également des conseils pour choisir les produits les plus adaptés pour le marché africain, ainsi que des astuces pour s'associer avec des partenaires locaux et développer son réseau. Enfin, nous mettrons en avant les avantages d'investir dans la quincaillerie en Afrique, en termes de rentabilité mais aussi d'impact positif sur le développement économique et social du continent. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile pour mieux comprendre les enjeux et les opportunités de l'investissement dans la quincaillerie en Afrique, et vous donnera les clés pour réussir votre investissement. C'est Jean-Pierre de NKBNS+, je suis blogueur et youtubeur. Sur cette chaîne, nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat et de l'investissement en ligne. Si vous me suivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner afin de continuer à bénéficier de nos contenus. La suite après ce générique. Le marché de la quincaillerie en Afrique connaît une croissance rapide et constante depuis plusieurs années. En effet, l'urbanisation croissante, l'augmentation de la population et le développement économique du continent ont contribué à la demande croissante pour des produits de quincaillerie. Les tendances et perspectives du marché de la quincaillerie en Afrique sont prometteuses, avec une croissance annuelle estimée à environ 8% ces dernières années. Selon les experts, cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir, offrant ainsi des opportunités d'investissement intéressantes pour les entrepreneurs et les investisseurs. Les opportunités d'investissement dans la quincaillerie en Afrique sont multiples, notamment en raison de l'évolution rapide des besoins de la population africaine en matière de logement, de construction et de rénovation. De plus, le secteur de la quincaillerie est un secteur en constante évolution, offrant ainsi des possibilités de diversification et d'innovation. Cependant, investir dans la quincaillerie en Afrique comporte également des risques qu'il est important de prendre en compte. Les risques les plus courants incluent les difficultés liées à l'approvisionnement en produits de qualité, la concurrence accrue, la fluctuation des taux de change, les obstacles réglementaires et la volatilité économique. Il est donc essentiel que les investisseurs potentiels mènent une étude de marché approfondie pour évaluer la faisabilité de leur projet d'investissement. Cela comprend l'identification des opportunités et des risques, ainsi que la compréhension des besoins et des préférences des consommateurs locaux. Les investisseurs doivent également prendre en compte les facteurs socio-économiques et culturels qui peuvent influencer le marché de la quincaillerie en Afrique, tels que les traditions locales, les réglementations commerciales et les normes de qualité. Quelles sont alors les clés pour réussir son investissement dans la quincaillerie en Afrique ? Pour réussir son investissement dans la quincaillerie en Afrique, voici quelques clés importantes à prendre en compte. Étude de marché. Avant de se lancer dans tout investissement, il est important de mener une étude de marché approfondie pour comprendre les besoins et les tendances du marché de la quincaillerie en Afrique. Cette étude doit inclure l'analyse de la concurrence, l'évaluation des tendances de consommation, la compréhension des réglementations commerciales et des normes de qualité, et la compréhension des facteurs socio-économiques et culturels qui influencent le marché. Stratégie d'investissement. Une fois que vous avez une compréhension claire du marché de la quincaillerie en Afrique, vous pouvez élaborer une stratégie d'investissement adaptée. Cette stratégie doit prendre en compte les objectifs d'investissement, le niveau de risque acceptable, les ressources financières et humaines disponibles, et les tendances du marché. La stratégie doit également être flexible pour s'adapter aux changements sur le marché. Choix du produit. Le choix des produits de quincaillerie est crucial pour réussir dans ce secteur en Afrique. Il est important de sélectionner les produits qui répondent aux besoins des consommateurs locaux et qui sont en demande sur le marché. Les produits doivent également être de qualité, durables et abordables pour attirer et fidéliser les clients. Partenariats et réseaux. Pour réussir son investissement dans la quincaillerie en Afrique, il est important de s'associer avec des partenaires locaux et de développer son réseau. Les partenariats peuvent aider à faciliter l'approvisionnement en produits, à comprendre les exigences locales et à trouver des débouchés commerciaux. Le développement d'un réseau de contacts peut aider à établir des relations durables avec les clients et à se faire connaître sur le marché. Quels sont les avantages d'investir dans la quincaillerie en Afrique ?
Investir dans la quincaillerie en Afrique peut offrir plusieurs avantages, notamment le potentiel de croissance et de rentabilité. Le marché de la quincaillerie en Afrique connaît une croissance rapide et constante, offrant ainsi des opportunités d'investissement intéressantes pour les entrepreneurs et les investisseurs. Selon les experts, cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir, ce qui peut se traduire par un potentiel de rentabilité élevé pour les investisseurs. L'impact positif sur le développement économique et social. L'investissement dans la quincaillerie en Afrique peut avoir un impact positif sur le développement économique et social du continent. En effet, le secteur de la quincaillerie est un secteur clé pour la construction et la rénovation de logements, ce qui peut contribuer à réduire la pénurie de logements en Afrique. De plus, l'investissement dans ce secteur peut aider à créer des emplois locaux, améliorer les compétences et renforcer les capacités techniques des travailleurs. La diversification du portefeuille d'investissement. Investir dans la quincaillerie en Afrique peut permettre aux investisseurs de diversifier leur portefeuille d'investissement, en ajoutant un secteur en croissance dans une région du monde à fort potentiel économique. L'investissement dans la quincaillerie en Afrique peut offrir de nombreux avantages, notamment une croissance rapide et constante, un impact positif sur le développement économique et social, et la diversification du portefeuille d'investissement. Cependant, pour maximiser les chances de réussite, il est important de mener une étude de marché approfondie, d'élaborer une stratégie d'investissement adaptée, de choisir les produits les plus adaptés pour le marché africain, et de s'associer avec des partenaires locaux et développer son réseau. En investissant dans la quincaillerie en Afrique, les entrepreneurs et les investisseurs peuvent non seulement réaliser des bénéfices, mais également contribuer au développement économique et social du continent en créant des emplois locaux, en améliorant les compétences et les capacités techniques des travailleurs, et en contribuant à la construction et à la rénovation de logements. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de lâcher un gros pouce bleu afin de permettre à la chaîne de se développer. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.